Pousse. Là, je vous explique le principe. En gros, ici, j'ai fait mon épure. Donc, j'ai mis ces pièces, là, ces pieds à dévers, suivant le lattis, suivant le versant ici. Donc, il faut imaginer qu'il y a un versant ici. Donc, en fait, les pièces, elles vont arriver comme ça ici, en parallèle. Donc, du coup, quand on fait le chevron d'emprunt ici, donc qui est là, quand on fait le chevron d'emprunt ici, de ça, en fait, on se rend compte que ici, la pièce, les 70, on peut directement les mettre comme ça. Donc c'est pour ça qu'on fait une herse. Et pour la herse, justement, en fait, je vais prendre les points du dessous que je vais renvoyer au lattis. Et après ça, le lattis, on vient le coucher au sol. C'est ce qu'on voit écrit ici, la herse. Donc là, je fais ma herse. Je vais prendre avec ma pige que j'ai ici, je vais reprendre tous les points que j'ai marqués. Us, 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 us. Et ceux-là, en fait, je vais les mettre sur la petite pige. Et la pige, je vais la remettre comme ça. Et je vais tracer les droites. Donc j'aurai mes droites us et us, etc. Puis après, si je veux rajouter une pièce comme ça, je crois que je vais rajouter une petite croix ici. Eh bien, on pourra tout simplement rembarrer les bois directement en posant la pièce dessus. Pareil pour le bas. Le bas, en fait, on voit bien ici la pièce qui passe. Le point bas ici, parce que ma ligne de trave, elle est là, c'est mon us. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas noté, mais c'est le us. Et le point du dessous qui est ici, qui tape ma ligne de trave et qui rencontre mon dessous ici, en fait, je le renvoie dès qu'il est relatif et mon housse. Et après ça, je vais les mettre en parallèle ici, à taper ma pièce en herse. Voilà. Donc, je vous refais un petit point ici. Là, bon, j'espère que vous voyez. J'ai pris mon axe qui est mon us. Donc ça, après, bah, du coup, j'ai reporté le point. Ça, c'est la coupe à l'intérieur. Ça, c'est mon us. Ça, c'est mon us de la coupe là. Ça, c'est mon us. Ça, c'est mon us. Ça, c'est mon us. Et ça, c'est bien mon us. Donc ça, je le prends directement. Je remets ça sur mon axe de herse. Je vais le faire au bic, hein, parce que faut savoir que c'est plus précis. Hop. Donc là, je me mets bien. Du coup, je marque mes points. Ça, c'est le us. Ça c'est le us, ça c'est le us, ça c'est un us, ça c'est un us, et ça c'est un us. On fait pareil de l'autre côté. Donc même étape. Us, 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 us. Us, us. Et là, on va tout simplement relier les traits à faire croiser mes pièces en herse. C'est pas très compliqué. Donc logiquement, on a une droite et un gauche, mais bon, on pourrait faire que un, ça nous suffirait. On va faire les deux. Comme ça, on sera bien. Alors on peut faire cette technique si la pièce est positionnée suivant le lattis en fait. Hein. Personnellement j'aime bien gagner du temps sur certains trucs. Ça c'est plutôt pas mal. Hop. Hop. Mince, celui-là je l'ai mal fait. Je vais le refaire. Hop, voilà. Donc là j'ai mes droites et puis je vais faire pareil avec le point bas. Donc le point bas, on va se prendre comme ça. Ça c'est mon us et ça c'est mon us. Donc ça devient mon us. Donc là il y a la herse. Donc ça c'est mon us. Puis après mon us en fait il vient se positionner comme ça. Us, us. Là, je vais voir si ça c'est assez grand. Ouais. Hop.
On se met bien sur les points. Là, ma pièce, elle est là. Ousse. Et ousse. Voilà. Donc là, j'ai ma herse. Donc là, j'ai mes pièces. Donc les pieds, ils sont faits. Tout le reste, c'est fait. Il y a juste un truc que je voulais savoir. C'est à partir du moment où on a ici la droite. Donc ça, c'est mon dévers de pas. Mon dévers de pas, à partir du moment, il chope le même dévers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une parallèle, tout simplement. Là, je prends ce point-là. Je prends ma cote entre ce point-là et mon dévers. Je remets ce dévers avec ce point-là. Et en fait, on va avoir le dévers. En gros, c'est presque d'équerre, mais c'est pas vraiment d'équerre. Voilà, ça donne ça. Je vais pouvoir le tracer. Tac. Après, on a là aussi. Donc là, on pourrait faire pareil. On pourrait le faire avec des équerres. Hein. Bon, là, ça suffit largement. On n'est pas au millimètre. Tac. Tac. Donc là, je vais tout simplement vous tracer les dévers. Et en fait, ce que l'on va voir vu du dessus, on verra de la vue par bout ici, des pièces là. Voilà. Logiquement ici, c'est la fin, c'est la butée. Donc on peut faire pareil. Prendre la cote ici. Paf. C'est juste à côté. Donc c'est bien ça. En fait là on a le pas du bas ici. Ici on a le pas bas, et puis après on a le pas haut qui est un peu plus haut, qui est vers là, paf, en fait qui est là comme ça, tout simplement. Donc pas haut, pas bas, pas haut, pas bas, pas haut, pas bas, pas haut, pas bas, pas haut, pas bas. Pas bas. Et pas haut. Paf, paf. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir larder des vis ici dedans. Ça va rentrer dedans. Donc là, on a ça. Et après, au 70.
Ah mais oui, c'est bon, c'est bonbon, c'est bonbon, c'est bonbon, c'est bonbon, c'est bonbon. En fait, là, je me suis tracé les points qui m'importaient pour pouvoir les rembarrer. Donc là, on est bon. Voilà. Et ben, je vais pouvoir déjà rembarrer tout ça, hein? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc là, vous voyez, j'avais tracé la herse. Ici, il y a la herse. Voilà, on la voit. Et donc là, vous voyez, j'avais tracé us, 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 us. Et en fait, ils sont là, mes traits. Donc là, il faut que je rembarre. Donc le us, c'est pour le dessus. Parce qu'en fait, tout simplement, on écrit dessus. Et puis, il y a dessous. Dessous. Us, c'est us. Donc, quand il y a écrit us, ça va sur le dessus. Quand c'est écrit us, ça va sur le dessous. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Hop. C'est tout simple, hein. Voilà. Donc si vous vous souvenez bien, ça c'est un us, donc le us on le met au-dessus, ça c'est un us, en dessous, us, 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 et us. On fait pareil de l'autre côté, donc ça c'est un us, ça c'est un us, bah, après de toute façon on peut le faire à la sauterelle, hein. Après, ça c'est un us. Ça c'est un us. Vous voyez, il n'y a pas grande difficulté. Il faut savoir un peu le trait quand même. Ça c'est clair et net. Et ça c'est un us. Voilà. Donc là, j'ai rembarré le pied. Maintenant, on a bien aussi le dessous à rembarrer. Ça, je vais pouvoir le faire. Hop. Donc ça c'est un us.
Et ça, c'est le us. On fait pareil de l'autre côté. Ça, c'est un us. Et ça, c'est un us. Voilà. Après, on va tout simplement relier. Je vais vous montrer. On peut utiliser la sauterelle. Donc, il y a deux droites, deux gauches. Je vais prendre mes petites sauterelles. Donc, il y a un alignement qu'il faut respecter. Et l'alignement, en général, il ne change pas. Il y a juste la coupe à plomb à laquelle il faudra faire attention. Du coup, l'alignement, il est là. Je vous le montre. Et en fait, l'angle d'alignement, on l'a aussi directement sur la herse. En fait, cet angle-là que je viens de prendre ici, là, donc j'ai relié le us avec le us, vous voyez, et en dessous, là, il y a le us. Donc là, j'ai relié, j'ai l'angle. Et en fait, quand vous regardez bien ici, ça va être le même angle que sur ma herse. Voilà, donc là, il y a bien mon trait, ici. Vous voyez mon trait. Et en fait, ici, c'est bien ma herse. Donc en fait, l'alignement, il ne change pas. Donc voilà, je vais tracer et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà un pied comme ça. Ça, c'est le pied là, ici. Ah voilà, c'est comme ça. Paf. Et là, je vais quiller des vis. Là, j'ai mes quatre pieds. On va passer aux choses sérieuses. Là, je vais rembarrer mes grandes pièces. Ok. Voilà, vous voyez, c'est bien sur le point. Ça, c'est la rase. Ça, c'est la rase. Voilà, donc là, ça c'est ce qui va rentrer dans le bois, et là ça va poser en dessous, je vais pouvoir mettre des grosses vis. Voilà, ça c'est la coupe de pied. Donc en fait, cette pièce, elle va être positionnée comme ça. Donc un peu à dévers, exactement comme ça.
Voilà. Donc là, je vais en faire deux comme ça, deux pareils, et deux à la symétrie. Donc là, on va se faire les coupes des pieds. Donc pour les pieds, comme on l'a déjà dit, pour faire la coupe ici, on va renvoyer ce point-là.